Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis photographe indépendante depuis bientôt 2 ans. J'ai commencé la méthode de contenu en formation et j'avoue que j'ai été séduite en fait par tout ce que j'ai pu apprendre au quotidien durant cette formation. J'ai surtout vu l'importance d'anticiper, l'importance du batching en fait, d'organiser en amont, en regroupant les activités, les structures, les outils, les supports, savoir sur quel support on devait communiquer. Voilà, ça m'a donné, on va dire, une hiérarchie aussi de comment commencer et par où commencer, voilà, qui est souvent un petit peu le dilemme quand on veut être un petit peu présent partout sur les réseaux sociaux principalement. Donc voilà, ça m'a montré ça. Ça m'a appris aussi à réaliser un sondage que j'ai pu réaliser auprès de mes clients, de certains de mes clients ou des clients potentiels, afin de mieux déterminer l'offre que je proposais et de mieux anticiper leurs besoins aussi, surtout. Voilà, donc d'où l'importance de bien connaître son client idéal. Et dans mon cas, j'ai plusieurs clients idéaux puisque je travaille pour des particuliers et des professionnels. Donc voilà, ça m'a aussi appris à ce côté marketing, à déceler les besoins, les attentes de mes clients et à essayer de leur parler de la façon la plus adaptée pour qu'ils puissent se reconnaître dans mes produits, dans mes offres que je peux proposer. J'ai été fière de réaliser cette formation qui m'a donné surtout beaucoup de boost aussi avec des outils comme Letters. Je savais, c'est vrai, l'importance d'anticiper les posts selon surtout les supports, par exemple Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et c'est vrai que je fais ça encore aujourd'hui au fur et à mesure. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait de tout regrouper, de tout faire à un même moment, de faire la rédaction en amont et de pouvoir gagner du temps surtout au quotidien. J'ai toutes les cartes en main maintenant pour pouvoir avancer un peu plus sereinement et pour pouvoir, on va dire, mieux communiquer, mieux être en adéquation avec mes clients et pouvoir leur proposer une offre adaptée. Voilà, merci beaucoup à Virginie pour son temps, pour cette formation qui du coup va me permettre de pouvoir m'améliorer au jour le jour. Merci, bye.